potes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour un système assez sympathique, comme tous les autres. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu changé mon skin, ouais c'est vrai. Bon là je suis passé sur du Mario, voilà, pour ceux qui connaissent, c'est celui avec c'est avec la carapace bleue là comme ça et la crête bleue sur la tête. Je sais plus comment il dit, non, il s'appelle, je sais plus. Mais en tout cas, aujourd'hui on va se retrouver pour un petit système qui est derrière moi. Non, ce n'est pas ça, mais c'est bien... Mon bouton! C'est ce système-là, des armures interchangeables, voilà. Je sais qu'il n'était pas demandé. Non, en vrai, il est assez sympathique, donc du coup, oui, il s'en est passé des choses. Oui, vous allez dire, c'est quoi ce truc? Non, en fait, je suis juste en train de refaire tout, mais vraiment tout, regardez, c'est... Tout est en construction ici, voilà, je suis en train de faire une petite porte 4x4. D'accord. Une petite porte 4x4 pour remplacer l'autre que je vous présenterai pas, mais que celui-là est beaucoup plus facile et beaucoup plus sympa. Regardez, ça s'ouvre en spirale. Alors, voilà. Voilà ce que ça fait. C'est vraiment, c'est franchement plus sympa. D'autant plus que, bon, elle est pas très... Bon, elle est compacte, hein. Non, pas du tout. Mais pour ce style de porte, c'est pas trop mal. Donc aujourd'hui, allez hop, on va rentrer dans notre salle. Ma petite salle que j'adore. En vrai, non, vu de l'intérieur, c'est bien. Mais vu de l'extérieur, c'est vraiment dégueulasse. J'essayerai d'améliorer ça au fil du temps. Après, vous en dites ce que vous voulez en commentaire. Hein, voilà, vous dites ce que vous en pensez. Moi, franchement, j'aime bien. Mais en même temps, j'y ai passé du temps. Mais bon, voilà. Après, là, je ferai des trucs où ici, le tapis va disparaître. Et ça sera autre chose qui va se mettre à la place. Voilà, j'essayerai de trouver. Soit de chercher... Je chercherai hein, sûrement hein, des petits tutos. Il y en a sur YouTube. Et je vous le représenterai, bien sûr. Soucis, ils sont pas assez bien, je l'améliorerai pour ma sauce. Mais sinon, voilà, j'essayerai d'inventer. Mais en vrai, ça devrait pas être trop compliqué. D'autant plus que, bon, là, on va faire un petit système qui peut être intéressant. Alors, oh, mais non, en fait, non, j'ai pas de shader. Hein, faut pas vous en croire, j'ai pas de shader. C'est juste le Minecraft de base. C'est vrai que pour ça qu'on voit un peu trop les vides, c'était un peu dégueulasse ça. Donc, du coup, aujourd'hui, petit système d'armor stand, tout simplement. Donc, aujourd'hui, on va faire ce système là. Assez pratique finalement. Donc vous posez un bloc de pierre, voilà, une face du bloc de pierre, vous me posez un bouton et vous appuyez et normalement, ah bah non, les armures ne changent pas. Bon, c'était juste pour voir, tant, non. On va décaler tout ça, voilà, non mais en fait je veux le bloc de pierre, donc tu me prends le bloc de pierre, voilà, donc vous faites comme ça, voilà, très certainement pour que, en fait, la torche de redstone s'éteint juste quand on allume. Donc ici, vous avez une poupoudre. Vous creusez 3 blocs comme ça de profondeur. Moi, j'ai toujours creusé 3. Ici, vous mettez une torche qui devrait s'éteindre. Et ici, une poudre de redstone. Rien de plus compliqué. Au-dessus, à côté de cette torche de redstone, vous allez mettre un piston vers le haut. Voilà, comme ceci. Avec un bloc de slime au-dessus. Pour faire sauter, en fait, tout simplement, les armes en stand. Quand on appuiera, ça va faire sauter les armes en stand. Voilà, les porte-armures, pour ceux qui savent pas ce que c'est, des armes en stand. Donc là, on va... C'est vrai que j'ai moins de hauteur et je vais m'habituer. Mais franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, j'avais pas dit que j'allais faire un labo, enfin une sorte de labo. Mais je voulais me faire une maison parce que je trouve que ça, bah, c'est mieux que... c'est mieux qu'un bunker dégueulasse. Franchement, moi ça va me prendre un petit peu de temps parce que là je suis en train de faire la porte d'entrée qu'on rentrera à chaque fois dans chaque épisode. On rentrera dedans. J'essayerai du coup de faire ça tranquille ou bilou. Et puis voilà. Alors, donc du coup, vous allez poser une dalle ici. Une dalle là, ici même. Ici même. Ici même. Voilà. Et ça va pas être assez haut comme par hasard. Ici même. Et normalement, là, ça va être la dernière. Non, ça va être. Non, il y aura encore deux qui vont être posés. Ici même. Ici même, bon tant pis, hein. Hop, voilà, mon beau travail, merci, c'est vrai que j'ai pas réfléchi là-dessus de la taille, il faudrait peut-être que j'améliore, et ici même, et là ça passera pas, oh bah merde alors, bon là c'est bon, sur toutes vos dalles, vous allez pouvoir mettre du coup de la redstone, tac, ici, première, vous allez ici mettre une trappe. Trappe d'ours. Et bah ici en fait. Bah non, mais en fait, il n'y avait pas besoin d'aller au océan, maman.
Bon, après, vous pouvez détruire vos piliers, là. Surtout celui de derrière qui ne sert strictement à rien. On va pouvoir procéder. Là, on a fini le système, en fait. Là, le système, il est fini. Voilà. Il est fini, le système. Vous avez juste à appuyer. Et si tout se passe, ouais, bah, tout se passe bien, vous avez fini votre système, tout simplement. Voilà. D'armor stand. Alors. Ah! C'est con, ça. Oh, par contre, on peut. Voilà. Et voilà. Non! Voilà, votre système d'armor stand est fini. Voilà, bah, tout simplement, c'était pas plus compliqué que ça. Après, vous pouvez les accoupler, bien sûr, comme j'ai fait. Et puis voilà, et ça s'interchange. Voilà, donc il n'y a vraiment rien de plus compliqué. Vous mettez juste un inversement ici, qui emmène une poudre de redstone là, et qui désactive le piston. En fait, c'est celle-là qui désactive le piston, même si celle-là est activée. Mais à l'inverse, en fait, c'est cette poudre-là qui désactive celle-là pour désactiver ce piston. Bref, voilà. Mais quand à l'inverse, on appuie plutôt, je veux dire, ouais, sur le piston, bah, ça va faire juste sur le bouton, ça va faire l'inverse, ça va l'activer. Et puis ça va monter dans l'ascenseur. Moi, j'appelle ça un ascenseur à redstone. Et qui va allumer les trappes, tout simplement, pour pouvoir baisser les trappes, pour pouvoir. Pouvoir permettre aux armor stand de pouvoir remonter quand elles sont tout en bas et quand celles qui sont en haut permettent de descendre jusqu'en bas. Voilà, voilà pour ce petit système. Tout bonnement sympathique. Oh, mais par contre, je savais pas qu'on pouvait voir entre les jambes. C'est pas mal là. Ouais, bon, la vue n'est pas géniale, géniale. Voilà, donc ça fait. C'est vrai que c'est tout petit comme tuto, mais bon, voilà, on peut pas dire le contraire. C'est quand même super compact. Voilà. Donc du coup, je vais pouvoir peut-être quand même vous expliquer pourquoi il y a ça. En fait, tout simplement, je voulais, du coup, comme vous voulez un peu introduit, je vais faire une sorte de bâtiment privé pour accueillir tous ces systèmes-là. Ici, on viendra là tout le temps pour faire tester, en gros, pour les montrer. Par contre, au niveau hauteur, ouais, on n'est pas, on pourra pas montrer des très très gros systèmes. Voilà, donc sinon j'irai ailleurs. Hein, voilà, très simplement, je me casserai. Voilà, donc mais c'est vrai que bon, c'est vrai que c'est assez petit. Je vais peut-être plus agrandir, mais finalement, c'est pas trop mal. Donc là, tout là, vous imaginez un grand bâtiment avec une entrée ici. Donc en plus, c'est pas trop mal parce que voilà, bon, c'est vrai qu'elle est dégueulasse. En vrai, ce côté-là, c'est pas tellement dégueulasse. Genre, bon, d'accord, ok, c'est pas phénoménal, mais au pire, on passera notre temps ici. Donc voilà, c'est plus ça qui doit être joli. Et franchement, avec le bois de 1.16, franchement, ça rend bien. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. De toute façon, moi, ça m'a plu de toute façon de le faire. Tiens, on va rester derrière mon dôme, la crête dans le dôme. De toute façon, au prochain épisode, ça va être quel système qu'on va faire? Et moi, je choisis celui-là. Celui qui est juste derrière moi, voilà, on va descendre. Voilà, c'est celui-là. Tout simplement parce que bon, ce système-là est assez basique à faire, voilà. Et vraiment, il est d'une compacticité sympathique aussi. Donc franchement, moi je peux que vous le faire pour le prochain épisode. C'était vraiment pas compliqué, hein, franchement, là, c'est vraiment. Même celui qui est nul en redstone. Ouais, quoi que, celui qui est nul en redstone, je pense qu'il a moyen de savoir le faire. Mais bon, voilà. Donc là, après, bon, il y a une histoire de poubelle. Là, par exemple, c'est ma poubelle avec tous mes anciens items. Mais, par exemple, là, j'ai des items. Alors, pardon. Là, j'ai des items, par exemple, ici. Donc, on va essayer de voir si je peux au moins les ranger. Et vous allez voir qu'ils vont finir pas tous dans la poubelle. Mais, pourquoi tu m'appuies là? Mais, genre, je veux pas là. Et genre, ils vont finir dans une poubelle parce qu'ils peuvent pas être rangés tout simplement parce que j'ai pas prévu assez. Voilà. Là, c'est vraiment. Ah, la dirt va être rangée, regardez. On va attendre et vous allez voir que la dirt va être rangée. Bon, je sais pas jusqu'au bout de combien de temps, mais voilà, on est arrivé à 23 alors qu'on était à 22. Et tout le reste est venu se stacker ici. Voilà pour. C'est très bien dans votre survie, hein, ce genre de truc, mais ça bouffe pas mal de fer. Ouais. Beaucoup de fer. Bah, il en faut. Hein, c'est quoi des entonnoirs? Ouais, voilà, c'est ça, c'est des entonnoirs. Des hoppers.
Et bah voilà, donc du coup, bah n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu du coup. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, on est bientôt 120 000 sur la chaîne, ça fait super plaisir. Enfin, à l'heure où je tourne la vidéo, donc on est 116 000 précisément à l'heure où je tourne la vidéo. Donc bah voilà, en fait on est une semaine avant où je dois sortir celle-ci. Donc voilà, oui, donc du coup je vous ai dit que je partais en vacances, voilà, donc là je devrais revenir, je sais pas si la semaine prochaine je suis là, je sais pas encore du coup. Mais en tout cas, si j'essaierai de vous prévenir, en tout cas, bah, de toute façon, vous verrez bien, hein, s'il y a une vidéo qui arrive, aussi je vais peut-être reprendre les lives, bref. Donc voilà, bah, c'était Benji du Sale, moi je vous dis bah, à la prochaine, allez, ciao tout le monde!